leader Dijon accueille Tours 9e. Un match encore intéressant pour les Dijonais pour conserver cette place de leader. Une équipe de Dijon qui a un petit peu ralenti sur deux matchs nuls, mais ça ne l'a pas empêché de rester en tête du championnat. Bernard et Gastien sont suspendus pour cette rencontre. Côté Tourangeau, Belkebla est suspendu, Diakité et Miracoli toujours blessés. Dijon qui se méfie d'une équipe de Tours 7e du classement à l'extérieur. 3 victoires pour 8 nuls et 3 défaites. Tours perd très peu à l'extérieur, mais concède le premier but. Loïs Diony marque pour Dijon à la 27e minute. 5e but de la saison pour Loïs Diony. Erreur dans la défense, il remporte le duel et marque ce but qui permet à Dijon d'envisager le match un peu plus sereinement. Tours a pourtant réussi de bons résultats ces derniers temps. 2 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 4 derniers matchs. C'est un bilan intéressant pour l'équipe de Marco Simone. Mais Dijon paraît plus fort dès l'entame du match avec un premier but puis cette occasion. Le ballon passe au-dessus. Jordan Lethiès n'a pas réussi à marquer, lui qui est entré sur le terrain à la place de Grandin Goyi quelques minutes auparavant à la 38e. Le milieu de terrain formé par le PSG s'est blessé. Lethiès est entré mais n'a pas marqué ce but du break. On en reste à 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Dijon insiste pour marquer ce fameux but du 2-0. Lethiès qui récupère et qui prend sa chance. Mais c'est largement au-dessus du but. Tours a beaucoup de difficultés à sortir de sa moitié de terrain et Dijon continue à mettre la pression. Dernier quart d'heure de la partie, Jérémy Bella qui enroule le but du 2-0 pour l'ancien Lensois. 4e but de la saison pour Jérémy Bella à la 75e minute. C'est l'idéal pour se détacher dans le match contre des Tourangeaux qui ont beaucoup subi et qui encaissent logiquement ce deuxième but. Dijon est complètement libéré et ça se voit dans les dernières minutes avec des attaques supplémentaires, même si Tours réussit à se procurer cette occasion. Un coup de pied arrêté pour essayer de réduire l'écart, mais la tête de Laurent Agouazi envoie le ballon au-dessus. Loïs Diony, à 2 minutes de la fin, rentre dans la surface sans opposition, ou presque. Il réussit à venir marquer le but du 3-0, doublé pour Loïs Diony à la 88e minute. 6e but de la saison pour lui. Et un score très large. Victoire finale de Dijon, 3-0 contre Tours.